Rock and Pop Stories. Don Henley, Johnny Can't Read, 1982. Cette chanson est extraite du premier album solo de Don Henley. Il est l'un des membres fondateurs des Eagles, batteur du groupe, mais aussi chanteur, ce qui n'est pas commun. C'est par exemple lui qui chante sur Hotel California. Lorsque le groupe décide d'arrêter en 1980, Henley démarre une carrière solo. Il a déjà fait un extra hors du groupe avec sa chérie de l'époque, Stevie Nicks, pour un single « Leather and Lace ». Mais cette fois-ci, il s'attaque à son premier album. Il y travaille avec Danny Kortchmar, musicien, songwriter et producteur ami de tout le gratin de la côte ouest, de Linda Ronstadt à David Crosby, en passant par James Taylor. Pourquoi Johnny Can't Read? Don Henley a une obsession, l'illettrisme. Il a été à bonne école, sa mère, ex-institutrice, a toujours veillé à ce qu'il lise. Et Henley respecte au plus haut point la littérature. Il l'a dit, je cite, « La littérature, c'est comme l'air que nous respirons. Elle appartient, ou devrait appartenir, à chacun. Le Johnny de la chanson est un cancre, qui se fout de ses études. Il finira en prison, car rien ne l'a préparé à devenir adulte. » La dernière phrase de la chanson est « There's a new kid in town », ce qui n'est pas un hasard. C'est un clin d'œil appuyé à New Kid in Town, l'un des plus grands hits des Eagles en 76. En janvier 82, au studio Record One de Los Angeles, Kortchmar est à la production et sur Johnny Can't Read, il joue de l'orgue. Pour donner une ambiance 60s, il utilise un vieil orgue Farfisa autour duquel le reste de la chanson est construit. Kortchmar l'a expliqué. « Nous voulions utiliser du matériel qui n'avait pas été entendu depuis longtemps. Nous souhaitions faire un nouveau son avec de l'ancien. » C'est l'occasion pour Henley de tourner sa première vidéo en solo, même si pour sa chanson avec Stevie Nicks, il en a déjà fait l'expérience. Dans ce clip réalisé par Paul Gurian, il nous montre tout ce qui peut détourner l'attention de Johnny des études. Ce qui est choisi peut aujourd'hui faire sourire la télé, les filles, le Rubik's Cube. Imaginez le même clip à l'heure des téléphones portables et des réseaux sociaux sur lesquels certains peuvent passer jusqu'à 8 heures par jour. MTV est une chance pour Don Henley. La chaîne toute nouvelle est principalement axée sur le rock et est obligée de se rabattre sur des clips venus d'Europe, notre vieux continent ayant un peu d'avance dans ce domaine. Faute de clips, il y a donc nettement plus d'anglais programmés que d'américains. Johnny Can't Read de Don Henley est donc abondamment diffusé. Ça n'amènera pas la chanson dans les sommets, pas plus que l'album I Can't Stand Still. Mais ça ira nettement mieux après, son succès solo étant presque comparable à celui avec les Eagles. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.